Bonjour et bienvenue dans 100% Immersion. Aujourd'hui, nous allons vous embarquer dans une belle aventure qui est le test d'effort. On y va ? Allez, c'est parti ! La première immersion de la saison pour Olivier a eu lieu dans un service sans doute assez peu connu du centre hospitalier d'Angers, au troisième étage d'un bâtiment où se trouve le centre régional de médecine du sport. Des médecins spécialistes des explorations fonctionnelles de l'effort, ils reçoivent aussi bien des athlètes comme Olivier, si c'en est un, je vous assure, que des personnes souffrant de pathologies de l'exercice. Docteur Bruno, bonjour, merci de nous accueillir. Avec plaisir, donc prêt pour le test? En super forme, on verra d'ailleurs. Après les traditionnelles mesures... 1,76... J'ai perdu 2 cm. Ouais. Et là on pointe énormément. Attention, quand vous faites un test d'effort, ça risque de faire mal après, au niveau de la moquette. Place à un électrocardiogramme complet, histoire de vérifier que le cœur d'Olivier pourra supporter sans problème les efforts intenses qu'il va endurer dans quelques instants. Un test d'effort, c'est super sexy. Relié à des ordinateurs qui vont analyser les performances de ses poumons et de son cœur, Olivier va peu à peu se transformer en... Comment s'appelait-il déjà ? Mais si, rappelez-vous, celui qui valait 3 milliards. Carnada numéro 1. Roger, contact BDSI. Et contact soupape de Potter 7. Fermez les gueules. Détachement engagé. Roger, le vent intérieur et extérieur allumé. Amorce du ticket. Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3. Ramenez point 0. C'est parti pour 20 minutes de course à pied sur ce tapis roulant. Je peux continuer à parler. Encore. Pour combien de temps, je ne sais pas. Le test d'effort, comme si vous y étiez, c'est maintenant. Et là, tu vas sentir effectivement les muscles aussi chauffer et ta respiration s'accélérer petit à petit. Le cœur va toujours très bien, ça s'accélère toujours, donc à 162 à peu près. Allez, c'est bien. Accroche-toi là, il faut vraiment se concentrer maintenant pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin encore. Allez, est-ce qu'on en essaie un de plus? Ouais. Il dit oui, comme s'il était facile, c'est bien. Allez. Sauf que nous, on voit qu'il est pas loin du point de rupture. Allez, c'est bien. Allez, 20 secondes pour finir le palier. 15 secondes. Allez, 10 secondes, on arrête. Ok, c'est validé. Voilà. Je vais tomber le masque tout de suite, comme ça. On va respirer plus confortablement. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire marcher un petit peu pour récupérer. Là, on va. Pas trop de commentaires pour le moment. Avant d'être sur le point de rupture et la chute, j'ai préféré dire au docteur Bruno, ici présent, stop, à 17,5, on arrête. C'est plus prudent. Et je commençais à avoir des quelques hallucinations. J'avais envie d'une banane, du sucre, un peu d'eau, une bonne serviette éponge pour pouvoir m'essuyer. Sinon, tout va bien. Les résultats sont là, écrits noir sur blanc, et sans trahir de secret médical, je peux vous dire qu'ils sont excellents. Olivier a même récupéré suffisamment de souffle pour demander au docteur Bruno de nous expliquer les activités de son service. Alors le service, donc, c'est un service de médecine du sport et un peu plus large aussi d'exploration de l'exercice. Donc ça s'adresse essentiellement bien, soit à des patients qui ont des symptômes à l'effort, qui font des malaises, qui ont des palpitations, des choses comme ça, ou alors des gens qui ont des facteurs de risque, c'est-à-dire par exemple du cholestérol, du diabète, qui fument, ou plus âgés, au-delà de 50 ans par exemple, pour vérifier qu'ils puissent pratiquer dans des bonnes conditions de santé. Et puis vraiment aussi une autre partie qui s'adresse directement aux sportifs, là pour plus une aide à l'entraînement, des conseils
pratique à la fois des allures de course, comme on vient de faire chez toi, mais aussi ça peut être sur la diététique, ça peut être comment planifier un peu son entraînement. Allez, bonne récupération du test. Olivier. Merci Antoine pour ce test d'effort et au plaisir de se voir sur un terrain tout autre que celui-ci. En short. En short. Alors, ça marche. Et avec tes baskets. Merci. Au revoir. Après son test d'effort réussi, Olivier est fin prêt pour passer avec vous, les téléspectateurs d'Angers Télé, une saison 100% immersion.